moi je suis chercheur, ben, je suis post-doctorant, donc c'est comme un ingénieur, mais un CDD, à l'IRA de Dijon, un petit peu loin d'ici, mais c'est un grand centre IRA, et surtout on est spécialisé dans le labo, dans on va dire, les études des interactions entre plantes et microbes, en large, donc du point de vue symbiose, du point de vue pathogénèse. Et moi, dans le cas spécifique, je suis, j'ai dédié un petit peu ma carrière au début à la bioremédiation avec les champignons. À la base, je suis un mycologue et j'ai fait mes études à Turin, en Italie. Après, je suis débarqué en France il y a déjà 7 ans. Et en deuxième partie de ma carrière, je me suis un petit peu focalisé sur les interactions plantes-micro-organismes, plutôt sur les échanges des nutriments entre les deux. Alors, ce postdoc, c'est intéressant de mentionner qu'il est dans le cadre d'un CASDAR qui unit nos deux labos. Oui, et les postdocs dans lesquels je suis payé dans ces moments-là, c'est sur un projet CASDAR, que je ne sais pas si vous savez, mais c'est un projet entre les ministères, différents groupes de recherche et les chambres d'agriculture. Dans le cas spécifique, c'est les chambres d'agriculture de Dordogne, et c'est sur un argument particulier que c'est l'agroforesterie entre les plantes noyées et couvert au noyer et maïs. Et donc on est en train d'évaluer les variations et la complexité de la communauté des champignons mycorhiziens dans ces cadres d'agroforesterie. Donc avec ou sans arbres, près ou loin des arbres? Oui. Alors aujourd'hui, en théorie, il aurait dû être la séance numéro 3. Apparemment, c'est la deuxième séance. Okay. Les sujets ou les objectifs pédagogiques de cette séquence de modules, c'était être capable de choisir les pratiques agricoles qui favorisent les mycorhizes. Et après, avec différents contenus, entre autres, les rappels des besoins des champignons mycorhiziens. Mais hier, on l'a déjà bien vu avec Marc-André. Okay. Donc on va voir un petit peu cette partie-là, la présentation des cas d'études et quelques règles, en réalité, règles qui sont à respecter. Là, c'est vraiment compliqué. Vous avez déjà aperçu de la présentation d'hier que l'argument mycorhize, endomycorhize ou ectomycorhize, c'est un argument très vaste. Okay, et l'appliquer directement de la recherche à la pratique, c'est quelque chose de, qui demande vraiment beaucoup de pas, beaucoup de steps. OK, à améliorer. Moi, j'ai un petit peu modifié ça. Et je vous propose ensemble aujourd'hui, ce matin, de voir un petit peu des réflexions, des discussions sur l'importance de la biodiversité aux diversités biologiques à différentes échelles. OK, des réflexions sur la conséquence nocive de l'agriculture conventionnelle et les avantages de l'agriculture de conservation. OK, les avantages des services rendus par la mycorhize. Alors, je me suis un petit peu concentré sur les endomycorhizes. Je m'excuse aussi avec Marc-André, que je n'ai pas fait les boulots de chercher aussi pour les ectomycorhizes, mais il y a aussi pour les ectomycorhizes, ne vous inquiétez pas. Et des cas d'études, des raisonnements biologiques et des résultats que moi ou dans d'autres équipes de recherche, on a obtenus. Alors, on commence. Je vous apporte tout d'abord cette image qui, ça me frappe un petit peu et c'est vraiment indicatif d'une distinction qu'on fait entre l'agriculture conventionnelle et celui-là biologique. Alors d'abord, dans ces graphes, on a une distinction, une classification des types d'agriculture selon les pratiques agricoles, raisonnées ou non raisonnées. Et déjà là, c'est un petit peu vague et vaste, les concepts des... on va dire pratique agricole raisonnée ou non, et l'utilisation ou non des produits d'entrants, produits chimiques de synthèse et des phyto en général. Cette distinction ou cette classification, il fait aussi qu'on met en contraste une agriculture conventionnelle avec l'agriculture biologique raisonnée. Okay. Agriculture biologique, vous savez déjà, vous l'avez tous les jours dans les mains, c'est toujours biologique l'agriculture. Okay. Donc déjà, les mots, c'était quelque chose que, dans les premières fois que moi j'ai entendu, c'était un petit peu, ça craint un petit peu, c'est quelque chose de bizarre. Mais on se concentre pour la première partie sur l'agriculture conventionnelle. Et pourquoi on l'a en rouge?
Hein, parce que rouge, normalement, c'est un indicateur de quelque chose de... Bah, on fait attention, c'est un petit peu dangereux ou quoi. Et effectivement, on peut bien imaginer ça parce que la caractéristique de l'agriculture conventionnelle, c'était toujours l'intensification. Surtout comme on a entendu hier, après la Deuxième Guerre mondiale, okay, la FAO il y a développé ce système de la première révolution verte. Okay, qui disait, on introduit les intrants, okay, on augmente la quantité d'intrants, d'engrais minéraux, des pesticides, on raccourcit les rotations culturelles. Donc, on dérègle un petit peu qu'est-ce qui s'était fait avant la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Aussi avec d'autres pratiques, par exemple la labour profonde, la mécanisation, okay, la réduction des variétés qu'on va cultiver, pour améliorer, on va dire, augmenter la quantité des produits qu'on a. Donc, pour avoir un rendement des champs un petit peu plus important. Alors ça, c'est un résumé, une partie d'une étude qui s'était faite par Charnke, okay, en 2005. C'était juste pour résumer les points fondamentaux de l'agriculture, de l'intensification de l'agriculture conventionnelle. Juste une petite question, pourquoi les céréales d'hiver au détriment des céréales de printemps? C'est pas vraiment à détriment, mais c'est pour éviter qu'on a des jachères, qu'on a des champs nus en guillemets, mais pas productifs. Je crois que c'était plutôt pour cette raison. Au lieu qu'avoir un seul cycle productif par année, comme ça on a un et demi, éventuellement deux, ça dépend des régions. Oui, c'est ça, c'est que quand tu fais des céréales d'hiver, tu ne peux pas trop sur le même terrain faire des céréales des printemps. Ouais. Ouais. C'est suite à la législation européenne qui oblige la culture d'hiver à cause du lâcher de nitrate, pour diminuer le lâcher de nitrate ou absorber. Oui, exactement, pour diminuer les lessivages de nitrate, oui, exactement. Et donc de se retrouver dans la situation des... Mais c'est toujours issu à ça, hein, à l'intensification des cultures. Si on a des cultures qui ont un petit peu moins besoin d'engrais minéraux, clairement, ça pose pas de problème. C'est direct. Je vais vous amener une image, un graphe, okay, que j'ai récupéré de l'Union de l'industrie de la protection des plantes. Oui, c'est des industries de protection des plantes. Hein, quand même, c'est fine la chose. Les données sont malheureusement jusqu'à 2004 et depuis 1996. Mais vous pouvez voir la quantité. Là, on a pratiquement un millier de tonnes, la quantité des matières actives, des phytosanitaires utilisées dans l'agriculture en France métropolitaine seulement. Et vous pouvez voir, alors on a les fongicides, okay, minéraux et des synthèses, donc les premières deux parties de la barre sont ça, et après on a les herbicides, okay, et les insecticides. Et on peut voir, malheureusement, on n'a pas les données, on va dire, depuis 1945, la fin de la guerre, mais c'était pratiquement en croissance continue jusqu'à à peu près les années 2000, quand on a commencé à percevoir l'impact sur l'environnement de ce type de produits, et aussi sur la santé humaine. On revient donc à cette graphe, okay, dans laquelle on a l'agriculture conventionnelle, et à travers l'absence de produits chimiques et une agriculture raisonnée. Donc, on va vers une agriculture biologique plutôt raisonnée et en faveur de la protection de l'environnement. Moi, j'ajouterais à ça aussi parce que j'ai vu sur plusieurs sites qu'ils font la promotion de ce type d'agriculture, d'ajouter plutôt en faveur de la conservation de la diversité biologique des sols, okay, et surtout de leur service agroécologique. On va voir qu'est-ce qu'on entend par service agroécologique. Et donc, plutôt une agriculture de conservation, parce qu'on veut conserver, okay, ou améliorer cette caractéristique du sol. Et l'agriculture de conservation, là, je l'ai appris d'Internet, désolé, j'avais la source principale, on va dire, c'était un petit peu ça pour cette diapo. C'est l'ensemble des techniques culturelles, est défini comme l'ensemble des techniques culturelles destiné à maintenir, à améliorer le potentiel agronomique des sols. En bref, on se base sur trois piliers fondamentaux, okay, que c'est la rotation des cultures,
qui s'opposent un petit peu à l'agriculture conventionnelle, comme on a vu, qui veulent pratiquement réduire la rotation des cultures et plutôt utiliser plus d'insecticides, okay, ou des entrants. Les couverts éventuellement permanents du sol et les travaux minimaux du sol. On revient sur un point important de l'agriculture de conservation, c'est aussi par rapport à la conservation de la biodiversité. Quand on vous parle de biodiversité, vous avez une idée un petit peu précise de qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Biodiversité, c'est déjà le mot qu'ils disent, non ? La diversité des micro-organismes ou des organismes qui sont dans notre sol. Vous avez une idée de la diversité qu'on peut avoir des organismes et micro-organismes dans juste 10 cm cubes de sol comme ça ? Mais il y a certains, moi je n'avais pas. Donc, j'ai demandé au professeur Vip, qui est aussi mon on va dire, responsable des post-doc que je suis en train de faire à Dijon, de me filer ces diapos. Lui, il a fait un petit peu plus de recherche sur ça. Et on estime qu'à peu près dans ce volume de sol, on a une quantité de bactéries immense, comme vous pouvez imaginer, okay, 200 milliards. Clairement, ça dépend du type de sol, s'il a reçu du fumier ou non, s'il a reçu de l'azote ou non. Mais en moyenne, à peu près 200 milliards de bactéries, d'unités de bactéries, 10 km de filament de sol des champignons, champignons tout confondus, hein, on n'est pas en train de parler des endomycorhizes dans ce point-là, et entre insectes, vers, protozoans, etc., etc., à peu près 200 000 unités. Okay. Ils sont très petits, on considère aussi les tardigrades, je crois qu'ils s'appellent comme ça, tardigrade, merci beaucoup, on peut imaginer que dans un volume déjà comme ça du sol, il y a une quantité immense. Donc effectivement, la biodiversité à l'intérieur d'un sol, on va dire d'un champ, c'est immense. Et clairement, ça dépend des pratiques culturelles qu'on utilise. Si on utilise plutôt une agriculture de conservation, clairement, on peut bien imaginer qu'on préserve. On préserve, quelqu'un il est tombé, on préserve un petit peu cette biodiversité et si on utilise de plus en plus des pesticides, des insecticides ou d'autres, on peut imaginer que ça réduit un petit peu. Cette biodiversité va réduire. Jusqu'à présent, en réalité jusqu'à peu près il y a une quinzaine d'années, okay, la façon d'évaluer la biodiversité des sols, c'était principalement un petit peu comme... C'est une méthode classique en mycologie, en réalité, mais aussi en microbiologie en général. C'est de cultiver sur des boîtes de pétri avec un milieu culturel adapté ou non. Okay. Cultiver pratiquement qu'est-ce que toutes sortes de notre sol. Mais on s'est aperçu, juste après, avec d'autres techniques que maintenant on va voir, qu'on était capable d'apercevoir seulement les 1-5% maximum de la diversité des micro-organismes qu'on avait. D'autres techniques qui nous ont permis okay, d'aller un petit peu plus profond dans ce type d'analyse. Et clairement, avec l'extraction d'ADN, là c'est une image très jolie de l'ADN, l'extraction d'ADN, l'amplification de certaines parties de l'ADN qui nous permet de faire une distinction entre les différents micro-organismes okay, et à l'intérieur de ces groupes, et après des séquençages. Et à travers ça, maintenant on peut estimer qu'on arrive à connaître à peu près les 90-100% de la biodiversité du sol. Clairement, vous pouvez voir la quantité des choses à l'intérieur du sol qu'on ne peut pas cultiver. Et jusqu'à, on va dire, une vingtaine d'années, on savait seulement, on s'apercevait, on va dire, on avait seulement l'idée de ce qu'il y avait du sol parce qu'on était capable de les cultiver. Cette biodiversité, il y a plusieurs, la diversité on va dire dans le sol et en plus les sols lui-même, okay, ils fournissent nombreux services okay, en général. On peut imaginer, vous connaissez vraiment bien parce que vous l'avez un petit peu plus sur la main, la production des animaux et des biomasses, mais aussi la construction et le maintien des habitats, okay, des patrimoines génétiques en général et de la réserve de la biodiversité elle-même. La régulation du climat et la qualité de l'atmosphère, parce qu'on parle de biodiversité des sols, mais là on doit comprendre aussi la biodiversité des océans,
que je vous rappelle, ils couvrent en surface de la terre beaucoup plus importante que les sols. Okay. Et ils ont vraiment un effet très important sur le climat. Et en général, du stockage, filtration et épuration des eaux. Quelqu'un il s'est amusé avec un joli papier sur Nature en 1997 à quantifier ce service qu'est la biodiversité, on va dire ces services agroécologiques que la biodiversité nous fournissent. Et là, on a dans ces tableaux les valeurs en, là, ça se voit pas trop bien, mais c'est un milliard de dollars par an. Ok, ça c'est l'échelle, milliard de dollars, 10 à puissance 9. Des différents points fondamentaux, par exemple la composition de l'atmosphère, la régulation du climat, la régulation des perturbations. Alors, moi je l'ai dit une fois cet article, et c'était un petit peu compliqué à lire sincèrement, parce que ce sont des économistes qui ont fait ça, et ils ont pris vraiment énormément de paramètres dans chaque catégorie pour arriver à comparer et donner des chiffres. Par exemple, la pollinisation, okay, et les contrôles biologiques, les rôles refuges et les ressources génétiques, mais la chose plus importante, les cycles des nutriments et d'épuration. Okay, vous pouvez voir combien, en théorie, ça peut coûter les services écologiques. Ça, c'est à niveau global. Hein. Ce n'est pas un pays ou l'autre. Donc, on peut bien imaginer que la biodiversité, du point de vue économique, si on voulait traduire d'un point de vue économique, quelqu'un il dit non, là. parce que quand même c'est un exercice à faire, en tous les cas. Oh, du point de vue, c'est simplement, on va dire, écologique lui-même, c'est extrêmement important. On comprend bien l'importance. Mais pour connaître et évaluer ces biodiversités, et surtout connaître les avantages d'avoir une belle diversité ou non, une bonne diversité ou non, mais on doit aussi savoir et avoir une idée de l'état actuel des choses. Alors, il y a un groupe de professeurs Lemenceau à Dijon, dans le cadre d'un projet de Genosol. Genosol, c'est un groupe de recherche à l'intérieur de l'unité de recherche à Dijon. Okay. Ils ont fait une évaluation, un diagnostic des états des sols en France. Alors là, je n'ai pas mis l'image, mais les grillages, là, c'était à peu près avec des carrés de 100 hectares. Okay, des prélèvements à chaque 100 hectares. C'était énorme. Ils ont été à peu près 3000 prélèvements en toute la France. Ça durait alentour de 8 ans, toute l'analyse. Et là, entre les différents graphes qu'ils ont sortis de ce type d'analyse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les sols, ils ont fait des extractions d'ADN et après ils ont amplifié différents groupes d'organismes. Mais on ne va pas si profond dans ce type d'analyse, on va regarder seulement la quantité d'ADN qui peut un petit peu réfléchir un petit peu à long terme, mais peut réfléchir un petit peu la biodiversité qu'on peut avoir dans les sols. Et bien là, on a une carte et une zone. Okay, et des zones dans lesquelles on a une quantité d'ADN bien plus ou moins importante, plus foncé ou moins importante. Mais ça ne veut pas dire, dans le cas spécifique, qu'on a une diversité vraiment pénible dans la zone, on va dire, centre au nord, et on a une belle diversité, on va dire, au sud, ou plutôt vers l'Italie. Juste pour faire vers l'Italie et la Suisse. Mais bon, non, c'est pas ça. Parce que c'est un petit peu faux interpréter directement comme ça. On doit aussi prendre en considération l'utilisation du sol. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont aussi fait. Et c'est pour ça que j'amène cette graphe. Et donc, on a. Alors, ça, c'est un résumé de qu'est-ce qu'on voit ici. Okay, mais par regroupement des sols. Donc, forêt mixte, caducifoliers, conifères, et après des prairies, différents types de prairies, comme vous pouvez bien voir, des zones cultivées, en partant des jachères, qui sont maintenant cultivées, à des monocultures, et après, des cas spécifiques des vergers et des vignes. Parce que dans ces grillages immenses qu'ils ont pris, qu'ils ont utilisés pour faire les prélèvements, ben, il y avait un petit peu de tout chose.
Si on prend en considération aussi ça, donc on évite de faire une séparation spatiale comme celui-là, mais on prend bien en considération l'utilisation du sol. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Là, on a toujours la quantité d'ADN totale. Donc là, on en prend en considération tous les micro-organismes, donc toutes les bactéries, okay, et après tout la méso- et microfaune, et tous les champignons, tout confondu. Donc vous pouvez bien comprendre, c'est large comme type d'analyse. On peut bien voir que, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans les forêts et dans la plupart des cas, dans les jeunes prairies, dans les prairies ou dans des prairies peu productives, okay, on a une condition, une quantité d'ADN totale générale que c'est relativement OK. On va dire, après, les standards aussi qu'ils ont utilisés, ça dépend. Toi, ils ont eu des standards un petit peu précis par rapport à la littérature. Donc, ils ont mis une seuil d'à peu près 8 nanogrammes d'ADN par gramme de sol analysé. Okay. Et ça, en général, en littérature, ça donne une idée d'une bonne quantité d'ADN, une bonne quantité de variétés ou des micro-organismes dans le sol, ou une mauvaise quantité. Après, là, c'est aussi toujours à analyser un petit peu avec la micropipette, comme le disait aussi Marc-André. Et après, on a des situations dans lesquelles, clairement, dans les cultures, là, ils ont pris seulement les cultures conventionnelles. Hein. Là, dans la plupart des cas, je me rappelle pas mal, avec rotation de prairies aussi, jachère, okay, et sans rotation. Et dans les vergers et dans les vignes, où on a l'utilisation d'entrants vraiment importants, surtout dans les vignes, je peux vous assurer qu'on utilise vraiment pas mal des herbicides, des pesticides, etc., etc. Eh bien, la quantité totale d'ADN qu'on trouve, ça, on va dire, il tombe en dessous de cette valeur d'à peu près 8 nanogrammes pour microlitre, pardonnez-moi, nanogrammes pour gramme de sol sec qu'ils ont fixé comme un seuil à peu près optimal. Tu as une question? Oui, c'était pour savoir s'il y avait des significativités statistiques entre les différents machins. Dans un type d'analyse comme ça, je crois que ce n'est pas possible de le faire. Parce que là, on considère seulement la quantité totale d'ADN. Okay. Après, il y a un site Genosol, okay, je crois le site Genosol de l'OMR Agroécologie de Dijon, si je me rappelle pas mal, mais je peux me tromper, dans lequel il met un petit peu plus de... des graphes et des considérations sur les résultats. Moi, je prends en considération seulement je vous amène seulement la quantité d'ADN totale, mais eux, ils ont fait l'analyse aussi sur les groupes des bactéries qu'ils trouvent dans le sol. Sur ces graphes-là, c'est pas possible de les faire. Mais sur d'autres graphes, effectivement, c'était possible et ils ont des valeurs comparées entre eux. Moi, sincèrement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé cette graphe et ce type d'analyse et sans des valeurs, on va dire, des significativités, des différences. C'est pour ça que j'arrive. Qu'ils ont mis les petits smiles, OK ou non, seulement par rapport à une seuil, que c'est alentour des 8 nanogrammes. C'est pour ça que j'ai spécifié. C'est pas. Oui. Pourquoi dans les jachères. L'ADN, elle est minime. Là? Non, dans la partie prairie. Enfin, dans la partie prairie. Ouais, la jachère, tout à droite. Il y a la jachère qui est moins qu'une autre. Un petit bonhomme qui tombe. Et quelle est la différence entre une jachère de prairie et une jachère de culture? Et je crois que ces jachères-là, c'était un jachère nu. Et celui-là, non. Mais je n'ai pas toutes les informations pour vous répondre, désolé. Ça n'existe plus, les jachères, c'est comme ce qu'ils en trouvent. Très probablement, quand ils ont fait l'étude, il y en avait encore. Et quand ils ont prélevé, ils ont pris aussi là-dedans. Les deux primitifs, ça veut dire quoi? Ils sont très naturels, qui n'ont pas été ensemés, qui n'ont pas été travaillés depuis très longtemps. Ou peut-être en haute montagne ou quoi. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais plus de côté. C'est un super agent de ce groupe.